Frères chers bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis au nom de Jésus. On va prendre une parole dans Luc chapitre 10, du verset 30 jusqu'au verset 35. Luc chapitre 10, verset 30 au verset 35. Écriture que vous connaissez tous très bien, par la grâce de Dieu. Lisons cela, Luc 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte ou à l'hôte et dit, « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. » Un bon samaritain sur votre chemin. Imaginez un peu l'état dans lequel était cet homme, selon que la Bible le décrit ici. La Bible dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des voleurs qui aussi, l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent le laissant à demi-mort. Or, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là et le voyant passa outre de l'autre côté. La Bible dit que l'homme avait été dépouillé, il a été volé. Il a été braqué, il a été attaqué. Tous ses biens ont été pris. Je ne sais pas s'ils ont aussi pris ses habits du dessus pour lui laisser seulement les habits du dessous. Je ne sais pas, il n'y a pas de détails là-dessus. Mais le type avait été non seulement volé, braqué, dépouillé, mais en plus, il avait été frappé. Les voleurs l'avaient frappé. Ils le chargèrent de coups, dit la Bible. Elle ayant couvert de blessures, dit la Bible d'Arbi, ils s'en allèrent le laissant à demi-mort. Ils l'ont tellement frappé et ils l'ont blessé. Son sang a coulé. Et l'homme est resté là inanimé. La Bible dit à demi-mort. Ça veut dire quoi à demi-mort? Ça veut dire qu'il n'est pas encore mort, mais si quelqu'un n'intervient pas rapidement, il va mourir. C'est ça que ça veut dire à demi-mort. Cet homme, dans l'état dans lequel il était, il ne pouvait pas se soigner lui-même. Il ne pouvait peut-être pas se lever. Il était à demi-mort, imaginez. Il était évanoui, certainement. Il avait besoin de l'aide de quelqu'un. Dans l'état dans lequel il se trouvait, il avait besoin d'une main tendue pour le secourir, pour l'aider. Qui n'a pas besoin d'une main tendue lorsqu'il passe par un moment difficile? Qui d'entre nous n'a pas besoin d'une aide lorsque nous passons par des moments difficiles? On a besoin que quelqu'un nous aide. On a besoin qu'une personne nous aide. On a besoin qu'un frère nous aide. On a besoin qu'une sœur nous aide. Quel genre d'aide c'est? Je ne sais pas dans quel genre de domaine on aurait effectivement besoin d'aide. Spirituellement, par exemple, là, lorsqu'on passe par une situation très compliquée, on a bien besoin de dire, « Oh, pasteur, priez pour moi. Oh, pasteur, souvenez-vous de moi dans la prière. Homme de Dieu, souvenez-vous de moi sur tel sujet. J'ai besoin de votre intervention dans la prière sur tel sujet. » Qui n'a pas besoin d'aide? Quel que soit le domaine, qui n'a pas besoin d'aide? Voilà, lorsqu'on parle de bagage coutumier, ça fait en ce moment le buzz au Gabon, n'est-ce pas? Alors, un frère voudrait aller épouser
une sœur, n'est-ce pas? Bref, un homme voudrait épouser une femme. Et il y a la coutume, le mariage coutumier, vous savez cela au Gabon. Bref, c'est tellement coûteux, ces choses-là. C'est tellement coûteux. Qui n'a pas besoin d'une aide? Tout le monde a toujours besoin d'aide, sauf évidemment ceux qui sont multimillionnaires ou multimilliardaires. Ils n'ont pas besoin de l'aide de personne. Vous voyez, bon, ils font leur mariage tout seuls, ils déposent ce qu'ils ont à déposer, ils ont suffisamment de moyens. Mais ceux qui n'en ont pas, qui ont besoin d'aide, vous verrez, ils vont faire avant le mariage faire part. C'est quoi un faire part? Un faire part, c'est une espèce d'invitation pour vous informer qu'il y a un événement qui va arriver, en l'occurrence, le mariage coutumier à telle date, le mariage officiel là, à la mairie à telle date, et peut-être aussi à l'église. Alors, ils font des petites invitations pour attirer l'attention des gens, pour les informer, pour demander aussi leur aide, l'aide financière, l'aide matérielle, etc. Voilà, qui n'a pas besoin d'aide? Quel que soit le domaine, quel que soit le tableau, qui n'aura pas besoin que, dans l'état dans lequel on se trouve de nécessiteux, on aimerait que quelqu'un étende la main pour nous aider à faire ceci ou à faire cela. Donc, un bon samaritain sur votre chemin, sur notre chemin, nous en aurons toujours besoin. Si nous avons les moyens financiers qu'il faut, on n'a pas besoin d'aide financière de qui que ce soit, on aura besoin de l'aide spirituelle. Imaginez un peu ce que les gens ressentent quand ils sont malades sur le lit des hôpitaux et qu'un parent vient leur rendre visite, qu'un ami vienne les voir, qu'une personne qui les aime vienne leur rendre visite, comme ça leur fait du bien. Imaginez un tout petit peu un étudiant à l'étranger, voilà, j'y ai été moi-même. Un étudiant à l'étranger, vous êtes tout seul, pas de parents à côté, pas de père, pas de mère, pas de frère, pas de sœur, personne. Combien, quand quelqu'un vous aide, qu'une petite aide vienne du Gabon par exemple, ou de je ne sais pas quel coin du monde, et vous recevez, vous touchez cet argent-là, vous avez tellement de besoins là-bas que, oh, ça vous fait du bien, vous avez besoin, de temps en temps on a besoin qu'un bon samaritain viennent, nous viennent en aide. Alors un bon samaritain sur notre chemin, ça fait du bien. C'est réconfortant. C'est animant, ça anime. Ça soulage. Quel que soit le domaine, je répète encore une fois, je viens de parler d'un étudiant à l'étranger, tout seul. Alors, que Dieu bénisse votre cœur. Que Dieu bénisse nos cœurs à nous tous. Car que nous soyons grands ou que nous soyons petits, que nous soyons anciens dans la parole, tout nouveau, à peine convertis, à peine baptisés, nous aurons toujours besoin d'un bon samaritain sur notre chemin. Quel que soit le domaine, je répète. Il y a des gens qui interviennent même en notre faveur, on ne les a jamais vus, on ne les connaît pas. Mais ils nous ont observés peut-être loin. Et dans une certaine situation assez complexe, ils interviennent et démontrent que nous n'étions pas responsables de telle chose. Ou que les accusations, ces accusations sont fortuites et non fondées. Bref, on est surpris de voir quelqu'un qui vient à notre aide. Peut-être dans des situations de calomnie ou d'injure. Ainsi, bénissons le Seigneur pour tous les bons samaritains qui apparaissent dans notre vie pour nous bénir d'une manière ou d'une autre. Vous marchez en route et quelqu'un vous arrête. Et tout d'un coup, et la personne dit, vous êtes une fille de Dieu, n'est-ce pas? J'étais en train de marcher, le Seigneur m'a arrêté, il m'a dit, dis-lui ceci. Dans tant de jours, telle chose arrivera. C'est la réponse aux prières que vous avez adressées à l'Éternel en telle année ou depuis ces dernières semaines. Et l'Éternel dit qu'il vous exauce. Vous passez, et dans les délais que l'homme a parlé ou la femme a parlé, ce qu'il vous a dit s'accomplit à la lettre. Qui était cet homme? Comme nous avons besoin d'un bon samaritain, même spirituel et surtout spirituel, sur notre chemin. Alléluia. Prions. Seigneur Jésus,
Tu es le bon samaritain de la Bible, le bon samaritain de Luc chapitre 10. Tu es le bon samaritain qui est venu en aide à cet homme qui était frappé, agressé, dépouillé et à demi-mort. Jésus, ô Père, laisse que nous puissions prendre ton exemple éternel pour aider Seigneur Jésus-Christ aussi notre prochain. Et l'aide la meilleure que je connaisse, c'est l'aide spirituelle. Car toutes les autres choses passeront. C'est la rouille et la teigne qui dévoreront cela. Le temps les dévorera aussi. Mais la vie éternelle, l'aide spirituelle, la parole, ça, c'est éternel. Bénis ainsi tes enfants. Puisse-je, moi, ton serviteur, ô Dieu, être d'une aide spirituelle pour ces âmes que tu m'as confiées. Au nom merveilleux, puissant, glorieux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.